Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on est très, Bonjour. très heureux avec Thomas. On va se présenter tout à l'heure, de vous accueillir pour ce webinaire. C'est un webinaire qu'on souhaite très participatif. On souhaite que vous puissiez poser vos questions en direct et du coup qu'on puisse vraiment échanger ensemble. C'est un moment d'échange privilégié. Et donc aujourd'hui, la thématique, c'est PME, comment accélérer vos ventes B2B en 2023. On va essayer de vous donner des clés et surtout de répondre à vos questions. Thomas, je te propose de te présenter et puis je me présenterai dans la foulée. Ben merci Michel pour cette intro. Donc je suis Thomas Garcia, je travaille chez HubSpot depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et mon rôle, c'est Partner Growth Manager ou alors Channel Account Manager. Il y a beaucoup d'anglicisme hein, parce que c'est une entreprise américaine. Et en d'autres termes, je suis plutôt une aide avant-vente pour toutes les entreprises qui ont souhaité rejoindre le programme partenaire. Voilà, en quelques mots. Merci Thomas, c'est très gentil. Moi je suis le CEO de Winband. Donc nous on est une agence spécialisée du coup en marketing et digital B2B. Et donc on met en place des campagnes d'acquisition et de fidélisation client dans le B2B, entre autres avec notre partenaire HubSpot. Aujourd'hui on se voit du coup pour ce webinaire. Alors j'ai un écran qui m'embête un peu, qui s'affiche. Parce qu'en fait, on a dû vous soumettre une question, on me l'a soumise aussi. Du Il coup, je faut ne peux plus répondre, cliquer. Michel, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai répondu. Et donc, on vous propose un sommaire vraiment riche et vraiment interactif avec vous. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. Premier point, c'est les évolutions en termes de pratique en 2023. On a regardé un petit peu tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit dans les études de Forrester, etc. Et on va vous redonner aussi quelques petits tips, du coup, qui vont faire la tendance 2023 en termes de pratique. Je pense que c'est intéressant de repartir avec ces tips de ce webinaire. Ensuite, c'est quoi le CRM? Comment c'est défini? À quoi ça sert? Thomas a véritablement travaillé sur les avantages parce qu'aujourd'hui, on a des retours d'expérience vraiment intéressants, des chiffres clés dans les implémentations. Voilà, c'est quoi les retours clients? C'est quoi les statistiques qu'on en sort? Moi, j'ai envie de vous parler des préjugés. Il y a beaucoup de préjugés dans les PME. Ça paraît souvent l'Arlésienne, alors qu'au final, ce n'est pas si compliqué. Et puis, concrètement, ça donne quoi? On va vous parler de deux cas clients. Et puis, on attend vos questions. Alors, n'hésitez pas, c'est en direct. Posez vos questions. Pendant tout ce webinaire, on essaiera d'y répondre. Vous puissiez du coup partir avec des tips, des réponses à vos questions. Et puis, bien évidemment, on pourra continuer à échanger au-delà du webinaire. Alors, du coup, c'est parti. Thomas, à nous de jouer. Alors, six prédictions qui doivent très clairement influencer votre plan d'action 2023. Comme vous le disiez en introduction, on a été voir ce qui se disait, les tendances qui ressortaient vraiment pour développer son business en 2023 pour les PME en B2B. Première tendance qui ne vous surprendra pas, c'est l'alignement marketing et commerce. Aujourd'hui, très clairement, on ne peut plus avoir des actions marketing qui sont faites d'un côté. Un salon, par exemple, qui va être mené par le marketing et puis des leads non traités à la suite de ce salon. Avoir des leads qui arrivent au commerce et qui ne sont pas appelés parce que le commerce estime qu'ils ne sont pas qualifiés et le marketing est déçu parce qu'ils ne sont pas appelés. Donc, on voit bien qu'il y a souvent aujourd'hui sur l'alignement des vrais sujets clés. C'est fondamentalement le sujet majeur de 2023, c'est travailler l'alignement. Et cet alignement, il doit être porté par la direction générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça doit être quelque part une stratégie d'entreprise de travailler ensemble, d'avoir des objectifs communs et d'avancer ensemble. Donc, c'est la prédiction numéro une pour réussir son plan d'action 2023. Deuxième élément, c'est la segmentation et la verticalisation. Même si on est bien loin des campagnes de masse hein, qu'on faisait il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui, on a eu tendance aussi à pêcher largement au filet et on revient de la segmentation, on revient à la verticalisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, si vous visez du coup des DSI, vous allez du coup travailler cette verticale, produire des contenus pour répondre aux objectifs de cette verticale et vous allez mener des actions, être présent à des salons sur la verticalisation. Très important, c'est très tendance. Les grosses tendances cette année, c'est beaucoup ça, fidélisation, verticalisation. Je travaille sur des segments plus petits, sur des volumes plus petits, mais avec beaucoup de valeur que j'apporte en termes de contenu. Troisième élément qui ressort du coup des prédictions, c'est la personnalisation des campagnes marketing.
Donc là, on est vraiment dans aujourd'hui des scénarios très aboutis que permettent du coup des outils de marketing automation. C'est un mélange de print, de digital, c'est un mélange de valeurs, de téléchargement de livres blancs. C'est aussi l'envoi de contenu print. Hein. On peut envoyer aujourd'hui un livre blanc version print. Voilà, donc c'est vraiment la personnalisation des campagnes qui font l'action. Et donc, ça revient quelque part à ce que je disais tout à l'heure à mon deuxième point, qui est la segmentation. C'est que plus je segmente, plus je travaille ma data, plus je travaille mes bases de données, plus je peux être vraiment intéressant pour le public à qui je m'adresse. Et c'est comme ça que j'ai du succès dans mes campagnes. Et on a vraiment des ROI par la personnalisation à partir d'une data de qualité qui augmente très fortement. Troisième point, c'est jouer collectif avec vos partenaires. On a beaucoup aujourd'hui d'influenceurs. Je cite souvent Caroline Mignot qui parle beaucoup de co-marketing, de co-partenaires. Aujourd'hui, vous devez produire des contenus avec vos partenaires. Pourquoi ? C'est que ça vous permet de toucher une audience supplémentaire. Si je fais un livre blanc avec HubSpot, par exemple, on va toucher l'audience d'HubSpot. HubSpot va toucher l'audience de Winbound. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, quand on fait ensemble, quand on produit ensemble, et d'ailleurs, un webinar est un contenu. C'est un contenu qui fera un replay, c'est un contenu qui fera un article de blog. Donc, jouer collectif, jouer partenaire, c'est avoir une audience qui s'agrandit. Et puis, c'est aussi quelque part s'afficher sur des expertises complémentaires à ce qu'on fait. Donc, c'est un vrai enjeu de 2023. C'est un vrai enjeu qui est aujourd'hui très plébiscité par les influenceurs et par les experts du marché. Troisième point, c'est la fidélisation et la rétention client. Dans une année 2023 qui, malheureusement, on est là pour apporter de l'optimisme et qui peut s'avérer être un peu plus compliqué en business, il faut déjà travailler sa base client. Il faut savoir la segmenter, ce qu'on évoquait tout à l'heure, savoir travailler des scénarios de fidélisation, travailler l'upsell, le cross-sell et bien évidemment, travailler sa rétention client. Quand vous signez un client sur 3-4 ans, en termes de business, ça compte chaque année et donc c'est important. Et forcément, le troisième point qui sort, vous le voyez un petit peu partout, on a longtemps parlé de l'expérience client. Aujourd'hui, l'expérience client dans le B2B, c'est important. Moi, je parle aussi beaucoup de l'expérience prospect. Qu'est-ce qu'on propose aux prospects dans l'acquisition ? L'effet waouh, le fait qu'on réponde véritablement à ces problématiques. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, globalement, 70% du parcours se fait sans le commercial avec le digital. Et donc, le client ou le prospect va s'instruire lui-même et aller chercher de la donnée lui-même. Et le commercial doit être encore meilleur sur sa partie qui s'est réduite. Il doit répondre aux dernières questions auxquelles le prospect n'a pas trouvé de réponse. Et il doit être rapide, il doit apporter de la valeur ajoutée. Et c'est lui qui crée quelque part la valeur du produit, la valeur de l'offre. Donc, voilà les 6 prédictions que vous avez pu lire du coup dans des publications qu'on vous a réunies ce matin. L'alignement marketing et commerce, la segmentation et la verticalisation, la personnalisation des campagnes marketing, jouer collectif avec vos partenaires, la fidélisation et la rétention client et bien évidemment l'expérience client. Voilà un petit peu ce qu'on peut se dire ce matin sur ces prédictions. Allez, on avance plus loin et on vous dit tout sur ce qu'est un CRM. Ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le pilotage des axes majeurs qu'on a évoqués là, qu'on vient de parler, se font par un outil performant de la relation client. C'est-à-dire que la relation client aujourd'hui et prospect est au cœur du sujet de tous les axes que vous voulez développer parce qu'en fait, un CRM, c'est un réceptacle. Donc, c'est lui qui réunit quelque part les actions marketing que vous allez faire. Alors, je me suis forcément, ces tendances, je me suis amusé à demander à ChatGPT ce qu'il pensait et ce qu'était un CRM. Et donc, vous allez voir qu'il a fait une réponse à la fois qui est assez convenable. Donc, ChatGPT, il a dit que la CRM est l'abréviation de Customer Relationship Manager, qui en français signifie la gestion de la relation client. Un CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client qui permet aux entreprises de gérer toutes les interactions avec leurs clients et prospects. Donc, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les données des clients sont collectées, stockées, analysées pour aider les entreprises à mieux comprendre les besoins de leurs clients. Et vous voyez, c'est ChatGPT qui le dit, à personnaliser les interactions et améliorer l'expérience globale avec l'entreprise. Oui, ChatGPT, il est plutôt synthétique de ce qu'on a pu se dire tout à l'heure. Les fonctionnalités de base d'un CRM incluent la gestion des contacts, la gestion des ventes, la gestion des opportunités, la gestion de campagne marketing suivie par l'interaction. C'est ça qui est intéressant, c'est de mesurer. Et les entreprises peuvent également utiliser des fonctionnalités avancées telles que l'analyse prédictive, l'intelligence artificielle, l'automatisation, pour avoir une bonne efficacité et productivité dans l'acte commercial.
Et ce que je trouve intéressant de sa conclusion, il dit un CRM, c'est un outil essentiel pour les entreprises qui cherchent à améliorer les engagements clients, à augmenter les ventes et à développer leur activité. T'en penses quoi, Thomas ? Je pense que le ChatGPT, quand même, est assez réaliste et cohérent par rapport à sa réponse. Bon, ben, je partage ton avis. c'est un bon test. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de parler des avantages du CRM. Et donc, je vais laisser Thomas, qui est un vrai CRM lover, vous présenter les avantages. Et bien évidemment, on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, on répondra très clairement à des choses qu'on aurait pu oublier ou des questions que vous vous posez. Merci à vous. Super Michel. Donc, merci pour l'intro. Pour parler un peu de cette problématique, surtout pour parler des avantages d'un CRM, on peut prendre un peu de hauteur et revenir tout simplement sur la notion en fait, du projet CRM. Il faut savoir qu'en fait, un projet CRM, c'est quand même un projet qui est très structurant, qui revient presque à faire une introspection. Alors, j'aime bien cette analogie. J'ai envie de dire que c'est un peu de la psychanalyse, non pas appliquée à vous-même, mais qui serait plutôt appliquée à votre entreprise. Quand je dis ça, que je m'explique, il va falloir quand même que vous puissiez évaluer, identifier qui sont les parties prenantes de ce projet. Est-ce que c'est la DSI ? Est-ce que c'est le directeur commercial ? Est-ce que c'est le CEO de l'entreprise ? Ou est-ce que c'est peut-être les trois ? De la même manière, il va falloir aussi évaluer qui va porter le projet, ce qu'on appelle en d'autres termes le champion du projet. Et pour terminer, vous allez surtout réfléchir à quelles sont les problématiques que vous essayez de répondre ou alors quels pourraient être les points de friction que vous rencontrez au sein de votre entreprise et auquel cas le CRM doit essayer d'y répondre. Donc finalement, c'est toujours un peu l'opposition problématique versus réponse. C'est pour ça qu'on parle finalement d'avantages. C'est évidemment par rapport à quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Donc, si on prend par exemple le premier avantage, ça va être la centralisation de la donnée commerciale. Ce qu'on observe généralement, c'est que vous, en tant qu'entreprise, vous allez avoir un système d'information qui peut être parfois éparse. Vous allez utiliser un ERP, là où vous allez stocker de la donnée plutôt sur le stockage de vos marchandises. Vous allez avoir aussi la partie analyse des données financières. Puis vous allez utiliser deux outils. Ça peut être même, on revient un peu à l'essence du commercial, vous allez avoir un carnet, vous allez avoir des cartes de visite, bref. En fait, vous allez avoir une donnée qui est éparpillée. Et l'objectif d'un CRM, c'est de pouvoir stocker, harmoniser et aussi interpréter cette donnée au sein d'un même endroit. Donc là, on est vraiment sur la structuration et l'uniformisation d'une même base de données au sein d'un CRM. Le deuxième point, c'est l'optimisation de vos process commerciaux. De la même manière, quand vous allez déployer un projet CRM, vous allez vous poser des questions sur votre manière, justement, d'appréhender ces processus. Quels sont mes processus existants ? Combien ai-je de pipelines de vente ? Est-ce que je dois en créer plusieurs ? Est-ce que je vais créer des pipelines dédiés à l'acquisition de nouveaux clients ou à la gestion de clients existants ? De la même manière, vous allez vous poser la question de quel est mon cycle de vente et comment je le documente ? Généralement, vous allez avoir différentes étapes. Ça peut être le premier contact, l'envoi d'une proposition, la relance d'une proposition, etc. etc. Et en fait, le CRM vous permet de vous poser ces questions-là, de pouvoir aussi l'uniformiser, le mettre en pratique, et puis surtout gagner du temps et d'avoir une approche qui soit quand même similaire en fonction de chaque commercial que vous allez avoir au sein de vos entreprises. La troisième, ça va être suivre les actions du contact à la vente. Ce qui est important, c'est de pouvoir savoir et documenter ce fameux cycle de vente. Et donc, du coup, vous allez pouvoir aussi mesurer l'efficacité de vos équipes commerciales. Combien d'appels ils ont passé, combien de rendez-vous ils ont effectué. Et tout ça, ça va pouvoir servir auprès de vos managers pour pouvoir évaluer la pression commerciale ou l'activité commerciale au sens large. Le quatrième avantage, c'est la gestion de la relation client omnicanal. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que vous allez avoir des interactions avec vos prospects et vos clients via différents canaux. Ça peut être Facebook, ça peut être WhatsApp, ça peut être des leads, ça peut être des salons, etc. etc. Et généralement, quand cette donnée elle n'est pas compilée et intégrée au sein d'un même outil, vous n'allez pas pouvoir
identifier d'où provient, par exemple, le lead. Et ça, c'est une grosse problématique, c'est que vous n'allez pas pouvoir adapter, on va dire, le discours commercial en fonction de la donnée que vous avez sur ce client ou ce prospect. Et donc, il est important de pouvoir, au travers d'un CRM, identifier cette première phase de contact et donc, du coup, d'apporter une approche commerciale qui soit personnalisée et adaptée. Le cinquième avantage, on parle de favoriser le développement des upsell, cross-sell, nouveaux produits. En gros, c'est ce qu'on dit souvent, c'est il est plus simple de capitaliser sur des clients existants que d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, du coup, ici, ça va être pouvoir, par exemple, de créer des listes de clients existants, d'identifier quel type de produits ils ont déjà et de pouvoir leur proposer de nouveaux produits, soit via des séquences, soit via des leads, soit via des emails, soit via des tournées commerciales. Et ça, vous pouvez le faire grâce à un CRM. Le sixième point, c'est historiser les échanges et les transactions. Alors ça, c'est souvent un peu la difficulté des commerciaux. Et moi, j'en étais un et j'en suis toujours un. C'est non, mais moi, je sais, j'ai ça en tête, j'ai ça sur des papiers, pas besoin d'un outil. Eh bien, finalement, l'un des gros avantages du CRM, c'est d'historiser tous les points de contact que vous allez avoir avec un prospect ou un client. Ça va être un appel, un rendez-vous, des propositions envoyées, les transactions, qu'est-ce que j'ai déjà proposé à tel client ou à tel prospect, etc., etc. Parce que finalement, ça, c'est de la donnée qui va être utile à l'ensemble des interlocuteurs de votre entreprise. Ça peut être les managers, ça peut être le directeur commercial. Et puis surtout, ça va vous permettre de transmettre cette donnée à un autre commercial s'il récupère un secteur, s'il récupère, tout simplement, il y a un nouveau collaborateur qui arrive au sein de votre entreprise. Donc ça, c'est assez clé. Et puis, le dernier point, c'est aligner les équipes commerciales et marketing. C'est ce qu'on appelle finalement, dans notre jargon, le smarketing. C'est de pouvoir évaluer quel est l'impact des actions marketing dans la génération de business et finalement de pouvoir se dire si j'investis X milliers d'euros dans des campagnes, dans des salons ou bien même dans des ads tout simplement, qu'est-ce que ça me rapporte en termes de business? Voilà. Donc évidemment, ces sept points sont non exhaustifs, mais on a essayé de les réduire et de montrer en quoi ça peut être intéressant pour vous. Et il y a toujours cette opposition, difficulté que je rencontre et à quoi je réponds. Voilà. Merci Thomas pour ces avantages. Alors on a une question du coup dans le chat. Mmh, bien sûr. Comment le CRM permet de mieux mesurer ses actions? Quel type d'action? Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce qu'on parle d'action commerciale, d'action marketing? Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations? Ça permet de mieux mesurer ses actions commerciales, donc plutôt commerciales. Du coup. Alors en fait, tout simplement, vous pouvez le faire. Alors il y a deux éléments ici. La première, c'est la complétion des informations, c'est-à-dire demander à vos équipes de pouvoir tout simplement historiser ces différentes interactions. Ça peut être un appel que j'ai passé, ça peut être une tâche que je me suis créée, ça peut être un rendez-vous que j'ai créé, que j'ai moi aussi planifié. Et puis en fait, vous allez pouvoir le mesurer au travers de rapports ou de tableaux de bord qui vont reprendre l'ensemble de ces informations, que ce soit à titre individuel pour chaque commercial, ou que ce soit au niveau des équipes. Et donc là, vous aurez des rapports qui peuvent être édités tous les jours ou tous les mois, et vous allez pouvoir opposer des objectifs que vous avez fixés auprès de vos équipes et de ce qui s'est réellement passé. Ça peut être des objectifs d'appel, des objectifs de rendez-vous, des objectifs de création d'opportunités ou tout simplement ce qu'on appelle des taux de conversion. Quels sont le nombre d'affaires que j'ai créées que j'arrive à gagner? J'espère que ça a été un peu plus clair. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que du coup, le management se modifie avec un outil CRM et qu'on va manager aussi avec une vue pipeline. Et donc, on va pouvoir rapidement voir si le commercial, s'il a des rendez-vous en cours, quel est son taux de transformation, etc. Et donc, la vue pipeline, le management autour du pipeline permet d'avoir une visibilité quand même très, très claire de l'activité. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, un autre élément, c'est qu'effectivement, au-delà des tableaux de bord, c'est quand on initie un projet CRM, on est obligé de c'est un peu ce que tu disais, on est obligé de se reposer sur le traitement des leads. Comment je traite les leads d'un salon, etc. Et quand on va paramétrer le CRM,
Eh ben, on va faire cet atelier collectif, on va s'apercevoir que c'est assez hallucinant, c'est qu'on peut avoir des leads qui partent dans la mauvaise direction, qui ne sont pas traités par la bonne personne, des leads qui sont oubliés. Et comme on va faire du coup des étapes de vente dans ce fameux pipeline, on peut très bien mettre le nombre de R1, on peut faire un pipeline salon pour avoir un suivi complet du salon. Donc, je trouve que c'est un outil qui est hyper agile aussi pour structurer une démarche commerciale qui, même si elle est correcte, a toujours soit des points de friction, soit des trous dans la raquette. Bien sûr. Mais, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Michel. Et puis, je pense que ce qu'il faut surtout garder en tête, parce qu'on parle de la thématique quand même, c'est comment booster ses ventes. Un des éléments de réponse que tu viens de citer, c'est la personnalisation de l'approche. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation où vous voulez souscrire à un service quel qu'il soit, ce que vous allez surtout apprécier, c'est la personnalisation. Et la personnalisation vient de, justement, quelles informations j'ai déjà sur ce prospect qui me permet de proposer une approche qui soit différenciée. Et comme tu le dis, si on sait que ce prospect a été sur un salon, quel type de salon, etc., vous allez pouvoir, dans votre relance ou dans votre prise de contact, partir de ce point-là. De la même manière que vous allez pouvoir identifier quel type de contenu il a ouvert, quelles sont les interactions que vous avez en ligne avec ce prospect. Et donc ça, c'est à mon sens la clé pour bien démarrer une approche commerciale. Puis encore une fois, on améliore que ce qu'on mesure, comme on dit. Exactement. Trois chiffres, Thomas, sur l'implémentation des CRM et comment c'est vécu. C'est surtout les chiffres clés qui ont été c'est une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc l'idée c'est bien d'avoir les avantages, mais concrètement qu'est-ce qui leur sort? Et donc là, le premier chiffre, c'est donc 92% des entreprises affirment que le CRM a joué un rôle important dans la réalisation de leurs objectifs de revenus. Bon, la phrase est assez lourde, mais ce qu'on veut dire ici, c'est que ce qui est important, et on le voit, on en a discuté dans l'introspection, dans la capacité à faire des pipelines, etc., c'est surtout de pouvoir se dire quels sont mes objectifs, de pouvoir les quantifier et de pouvoir mesurer où est-ce que vous en êtes par rapport à ces objectifs. Et ces objectifs, ils peuvent être commerciaux, je dois faire 1 million de chiffre d'affaires, où est-ce que j'en suis et comment je peux évaluer ma progression par rapport à cet objectif. Ça peut être un nombre de rendez-vous, etc. etc. Donc, d'un moment où vous pouvez évaluer le où est-ce que vous en êtes par rapport à cet objectif, vous pouvez vous dire, oui, j'ai réussi à les atteindre, tout simplement. Deuxième stat. Alors, la deuxième stat, c'est que donc, les équipes commerciales qui utilisent un CRM ont confirmé que ça améliorait leur qualité au travail et qu'ils en étaient satisfaits. Donc, il y a 17% des équipes commerciales qui trouvent ça intéressant. Derrière, il y a évidemment d'autres sujets qui sont traités au travers de cette stat. Ça va être principalement la simplicité d'usage. Ça, c'est très important dans un CRM. Ça va être l'ergonomie. Est-ce que les équipes ont envie d'utiliser l'outil? Et puis, il va y avoir la montée en compétences. De la même manière, si vous avez un outil qui est ergonomique, simple d'usage, généralement, vous allez avoir des personnes qui vont aimer l'utiliser. Et là, on va parler aussi d'adoption. Parce que ça, c'est clé dans un projet CRM. C'est est-ce que vos équipes, au final, vont l'utiliser? Et ça, c'est clé. De la même manière, quand on parle de satisfaction au travail, un CRM vous permet, entre guillemets, de limiter au minimum les tâches qui vont être chronophages. Ça va être la création de tâches, ça va être la relance d'opportunités, par exemple. Ça va être, de la même manière, envoyer des séquences, donc d'envoyer des messages commerciaux pour prendre un rendez-vous qui vont être automatisés. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un gain d'efficacité perçu au sein de vos équipes commerciales. Ouais, puis en termes de charge mentale, c'est clairement… Exactement. Et puis, entre guillemets, je reviens juste sur… et je termine. C'est aussi donner à vos équipes la possibilité d'avoir une prédiction de vente. Donc, je veux dire, où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif qui va être mensuel, trimestriel, etc. Ça soulage quand même et ça enlève une certaine pression du chiffre.
Troisième petit chiffre de cette étude, du coup, Thomas. Exactement. C'est donc 74% des utilisateurs de CRM déclarent que le CRM leur fournit des données clients essentielles. Ça, le sujet CRM, au final, le cœur hein, de ce qu'on se dit, c'est la data, c'est la donnée. Et donc, du coup, qu'elle puisse être remplie manuellement ou automatiquement, eh ben, elle donne des indications. Et donc, moi, j'aime bien prendre ce sujet, enfin, cet exemple. Par exemple, quand vous êtes patron d'entreprise, ce que vous voulez, c'est avoir un endroit où vous allez pouvoir recueillir l'ensemble de cette donnée. Elle va être bien évidemment traitée et interprétée, hein. Et cette donnée-là, ben, quand on est patron d'entreprise, elle va permettre de prendre des décisions pour l'année prochaine. Où est-ce que j'investis? Quels sont sur les secteurs d'activité où je vais continuer à accentuer ma présence commerciale? Quel est le taux de pénétration que je vais avoir l'année prochaine, etc., etc. Donc, dès qu'elle est agrégée, traitée et interprétée, ben, ça vous permet de prendre des décisions business, bien évidemment, capitales pour votre entreprise. Et ouais, la data, c'est l'or des entreprises. Alors, du coup, on a essayé de travailler aussi les préjugés. Effectivement, souvent, il y a des freins à se lancer dans un projet de CRM dans les PME. Et donc, on a listé, du coup, des préjugés qui sortent des études. N'hésitez pas à poser vos questions, à compléter si vous avez des questions pour lesquelles on peut répondre. Dans les questions, on peut se dire encore un logiciel de plus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ben, on voit bien que dans les entreprises, ben, voilà, on a des logiciels un peu pour tout faire, pour les frais de route, pour la partie facturation, pour la partie RH, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas un logiciel de plus parce qu'en fait, le CRM est un réceptacle de toutes les actions que vous faites en marketing et en commerce. Et donc, c'est plutôt lui qui doit être au centre des outils et qui est fédérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez du LinkedIn Sales Navigator, bah, ça doit très clairement, je dirais, venir se mettre dans ce CRM. Si vous faites des actions salon, bah, vous avez tout intérêt à créer peut-être un pipeline pour le salon. Donc, en fait, c'est un réceptacle de la data. Et donc, c'est plutôt lui qui se connecte à d'autres outils pour facturer avec le RP, etc. Et donc, c'est vraiment pas un logiciel de plus. C'est une brique essentielle, même, je dirais, centrale dans l'écosystème outil. Dans ce qui remonte du coup dans les études autour des PME, c'est ma force de vente n'adhérera pas. Et du coup, bah, je vois une question effectivement, comment faciliter le suivi commercial avec l'adhésion de ces commerciaux. En fait, les commerciaux ne sont pas ennemis de leurs intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que vous avez envie de travailler dans des conditions correctes dans une entreprise, donc d'avoir la bonne data, de pouvoir suivre vos ventes, de pouvoir du coup émettre facilement vos devis, de pouvoir segmenter vos rendez-vous, de pouvoir faire un tableau de bord assez facilement de votre activité commerciale, bah, c'est un peu ce que tout le monde veut faire. Aujourd'hui, plus aucun commercial n'a envie d'être sur des tableaux Excel, n'a envie d'être sur des vieux carnets. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui, on est dans une évolution de génération. La génération qui arrive, elle veut des outils modernes et elle veut travailler avec ça. Et donc, ce n'est pas du coup un problème du coup, d'adhésion. C'est plutôt, je dirais, une question quelque part de formation des équipes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une équipe, nous, c'est ce qu'on fait la plupart du temps, on va former les équipes et on va en amont construire avec eux le paramétrage, les pipelines, la manière dont ils veulent travailler. Donc, ils co-construisent ensemble quelque part l'outil sur mesure qu'ils veulent pour améliorer leur performance commerciale. Ils sont formés à l'usage et derrière, ils ont une sorte de hotline qui répond pendant plusieurs semaines. Et donc, au final, le vrai sujet, c'est l'adoption de l'outil. Mais avec des outils modernes comme le CRM HubSpot, c'est tellement ergonomique, ça amène tellement de confort, ça enlève tellement de charge mentale et ça permet tellement d'interagir justement dans l'écosystème outils ou de data de l'entreprise que quelque part, l'adoption, elle se fait naturellement. Nous, on a implémenté des centaines de CRM. On voit bien que sur ces outils modernes, très ergonomiques, il n'y a pas vraiment de sujet d'adoption. Ouais. Moi, je vais compléter, Michel. En fait, vous allez avoir finalement deux types hein, de commerciaux quand il y a un projet CRM. Vous allez avoir les digitals natives. Donc, c'est ceux qui adorent les outils, qui ont déjà utilisé des CRM, etc. Et donc, eux connaissent déjà en fait, les bénéfices d'avoir un CRM en place.
Et puis, vous allez avoir ceux qui sont parfois un peu plus réfractaires au changement, hein, mais ça, je pense que c'est humain. Et donc pour faciliter l'adoption, c'est surtout expliquer, faire preuve de pédagogie et expliquer en quoi le CRM est non pas un outil qu'il va falloir compléter, etc., mais au contraire, qui va leur permettre d'améliorer en fait leur approche, qui vont leur permettre aussi de générer plus de chiffre d'affaires et d'éviter d'avoir des tâches chronophages. Donc, c'est-à-dire que si vous avez de la pédagogie qui est faite en amont et dans le cadre de la formation, généralement, les utilisateurs sont assez contents d'avoir ce type d'outil. Alors, les commerciaux se sentiront fliqués. ça, j'ai envie de dire, c'est une question de management. D'ailleurs, aujourd'hui, l'outil ne flique pas, l'outil donne de la data qui permet d'être performant. Maintenant, c'est au manager de travailler avec une approche constructive avec ses équipes pour les amener à bien utiliser l'outil et à performer. Donc, c'est plus une question d'état d'esprit et de management, mais très clairement, ce n'est pas un outil de flicage. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un outil qui permet de suivre ses ventes. L'alignement, on en a déjà parlé. Vous voyez que c'est un thème qui revient souvent. Il revient dans les prédictions, il est revenu dans les avantages de l'outil. Et donc là, il a plutôt été exprimé l'idée que ça allait un peu encore séparer avec un outil marketing d'un côté puis un outil CRM de l'autre. Ben non, justement, aujourd'hui, les outils sont liés ensemble, ils sont connectés. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut travailler l'alignement avec des équipes qui se rencontrent tous les mois, qui font une réunion marketing, ils échangent sur les objectifs communs, ils échangent sur les livres blancs qu'ils vont publier, sur les salons qu'ils vont faire. Donc ça, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'un outil permette de lier l'action complète. Et là, quelque part, quand on va dans ce type d'outil, on va avoir un outil tout en un, marketing et commercial, et donc on va aller du contact à la vente. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand je vais faire un salon, eh ben, je vais avoir mon ROI du salon, puisque je vais savoir le nombre de rendez-vous qui a été pris et je vais savoir le nombre de ventes qui ont été faites. Quand je vais faire des actions marketing SEA, je vais savoir exactement ce qui vient de cette source-là. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, justement, à l'inverse de ce qui était donné un peu comme remarque de séparation, non, ça va réunir les équipes sur un fonctionnement identique, un outil commun et une mesure de l'action. Aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est de mesurer le ROI de chaque action marketing versus les ventes. Et donc, ce type d'outil, c'est assez magique. Ça permet en tous les cas de répondre à ce besoin nécessaire pour le dirigeant de l'entreprise de savoir où est-ce qu'il doit mettre des moyens pour développer son business. Donc, c'est extrêmement important, c'est un point essentiel. Ouais. Et juste par rapport à ce point-là, Michel, évidemment, si vous avez déjà un outil marketing, enfin un outil de marketing automation, vous voulez connecter HubSpot, il y a des API, etc., donc vous pouvez le faire de manière assez simple. Mais juste, je reviens, je ne fais pas la promotion d'HubSpot ici, mais c'est important de le souligner, HubSpot propose aussi une brique marketing. Et donc, en fait, dans HubSpot, vous allez pouvoir suivre justement ce qu'on appelle la fameuse customer journey. Et donc, vous allez pouvoir vraiment aller de la première interaction, la plupart du temps, elle est marketing, à l'interaction sales, comment elle est suivie, et évaluer le retour sur investissement versus combien j'investis sur mes actions marketing, combien ça m'a rapporté en termes de vente. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas le sujet ici, mais je voulais le souligner. L'avantage d'avoir une plateforme unifiée, donc tout au sein d'un même endroit, vous permet d'aller sortir ces datas qui sont importantes pour le CEO, le directeur marketing, le directeur commercial. Et ça vous permet justement de vous réunir autour de la table et d'échanger sur ces KPIs, tout simplement. Alors là, on parle d'exporter des statistiques, etc., et de faire des tableaux d'analyse. En fait, l'outil se paramètre. Donc, en fait, j'ai envie de dire que on paramètre tous les tableaux de bord, il n'y a pas de limite quasiment, par rapport à vos besoins. Donc, ça mesure effectivement, ça peut mesurer le nombre d'emails envoyés, le nombre de rendez-vous réalisés, le taux de transformation, la marge brute sur de l'upsell, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'avoir un tableau de bord. Et donc, c'est ce que je dis tout le temps, quand on a des bons tableaux de bord de suivi, on peut interagir sur l'action qu'on mène et sur les performances souhaitées. Donc, non, c'est pas... Il n'y a pas véritablement de travail d'export, de statistiques à faire soi-même. Il y a un travail de paramétrage, mais il y a aussi des agences qui sont là pour vous aider à faire vos premiers tableaux de bord, puis après, vous prenez votre envol. Donc, non, c'est assez simple au final et on peut être aussi autonome assez rapidement. Alors, je vais être perdu si je dois m'occuper des contacts d'un collègue. Justement, non, ce n'est pas ce qui va se passer.
c'est qu'aujourd'hui, on va globalement avoir une historisation de tous les échanges. Donc, c'est carrément magique parce qu'aujourd'hui, vous avez un collègue qui est absent. Bah, vous allez sur son instance et vous récupérez bah, les échanges, vous récupérez son pipeline, etc. Vous avez quelqu'un qui quitte l'entreprise. Vous avez un niveau de data quand même qui permet du coup de prendre la suite. Et donc là, il faut vraiment faire une croix sur tous les tableaux Excel qui sont dans tous les sens, tous les cahiers, s'il en existe encore, où je prends des notes. Aujourd'hui, en fait, il faut réunir toute cette donnée pour l'entreprise, pour justement la mobilité des équipes. Et l'intérêt, c'est que je peux accéder à ma data partout où je suis, puisque je suis en mode SaaS. Donc en fait, l'historisation, je peux mesurer du coup le suivi de mes emails, je peux mesurer les taux d'ouverture quelque part de mes propositions commerciales. Donc c'est extrêmement intéressant. Je vais prendre du coup une question dans le chat. HubSpot propose-t-il des solutions abordables aux TPE ou indépendants? Donc Thomas, oui, il existe aujourd'hui du coup des versions starter qui peuvent être la manière de faire ses premiers pas pour moi sur l'outil. Et puis après, par rapport aux fonctionnalités souhaitées et au développement de l'entreprise, eh ben, je monte comme ça crescendo sur une instance qui répond le mieux sur les fonctionnalités dont j'ai besoin. Donc oui, exactement, véritablement une version TPE indépendant. Pour démarrer, tout à fait. Et c'est une solution qui est évolutive. Donc, vous pouvez commencer par le CRM, rajouter une brique marketing, service client. Enfin, vous pouvez vraiment évaluer quelle est la priorité et ensuite, quel est le niveau de licence qui vous convient en fonction des fonctionnalités que vous voulez débloquer. Donc, oui, on répond à, Répond à ça. Deux questions qui reviennent souvent. Il n'y a aucun CRM qui s'adapte à mon métier. Et donc, bah, en fait... HubSpot, en tous les cas, est un outil qui est très malléable. Et en fait, globalement, nous, on en a implémenté des centaines. On n'a pas véritablement eu cette question. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce qui fait un métier, c'est un ERP ou c'est un outil de production qui est relié au CRM. Mais le CRM en soi, il est assez commun au fonctionnement des entreprises. Et comme le pipeline est complètement, je dirais, personnalisable, les propriétés que je veux mettre, les marges que je veux faire apparaître, etc., sont personnalisables. Bah, globalement, sur toutes les entreprises pour lesquelles on l'a implémenté, on n'a pas vraiment eu de sujet de personnalisation de l'outil. Donc, c'est, alors, bien évidemment, après, il peut y avoir des outils métiers très particuliers pour la santé parce que la data ne doit pas être disponible, etc. Donc, voilà. Donc, là, il y a des particularités. Il y a des outils qui se connectent à HubSpot. On a déjà connecté HubSpot par API des outils qui permettaient de répondre à des enjeux de métiers différents en termes de quelque part de confidentialité de la donnée. Mais très clairement, non, ce n'est pas un frein, c'est plutôt un outil qui est très malléable. Et puis, dernier point, un CRM, c'est cher. Et en fait, quand on dit cher, c'est plutôt quelle performance on va obtenir à travers un CRM. C'est-à-dire que si vous suivez mieux les ventes et que vous avez une croissance de 20-25% de vos ventes parce que c'est mieux suivi, c'est mieux organisé, vous voyez mieux les priorités à appeler, bah écoutez, je veux dire, c'est même plus une question de budget. Et en fait, c'est pas très cher, en fait, un CRM. C'est un budget aujourd'hui minimum à consacrer, pour équiper les commerciaux. Aujourd'hui, je discutais avec l'ancien président de Paris des DCF récemment, et il me disait aujourd'hui, globalement, bah, quand j'ai une équipe commerciale, j'ai un budget minimum par commercial à mettre en place pour qu'il puisse accéder à un CRM, à Sales Navigator. Ça fait partie de mon investissement on ne peut pas passer à côté aujourd'hui de ce type d'investissement. Donc, on a répondu en tous les cas à ce qui est remonté du coup dans les enquêtes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur des questions que vous posez dans l'implémentation? Voilà, on a une question sur du coup les différents formats qui existent en termes de formules chez HubSpot. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit sur des freins à l'implémentation? Comment interagit l'outil CRM comme HubSpot avec un ERP déjà en place d'une entreprise? Les données répondent-elles, base client, facturation? Des passerelles sont-elles prévues pour permettre ces cohabitations entre ces logiciels? Je peux prendre le point si tu veux. En fait, si vous voulez, bien évidemment, une des forces d'HubSpot, c'est l'API. Donc, c'est-à-dire que HubSpot se connecte avec de nombreux outils existants. Hein. Ça peut être un ERP, ça peut être un autre outil de marketing automation, ça peut être d'autres outils SaaS, ça peut être des applications web app, mobile, etc.
Et en fait, les interactions, il y a différents types d'interactions. Il va y avoir des interactions natives. HubSpot a développé des connexions avec d'autres outils. Donc ça, vous pouvez aller sur la marketplace HubSpot et regarder quelles sont celles qui sont natives. Vous allez avoir des connexions qui sont possibles avec des connecteurs. Donc, c'est des entreprises tierces qui ont décidé de développer leur business sur la connexion, des interconnexions avec les outils. Et vous avez les connexions, ce qu'on appelle custo, où là, vous allez carrément, on va dire, Winband peut créer pour vous une connexion entre deux outils. La question qu'il faut vous poser surtout par rapport aux connexions, c'est est-ce que l'outil que vous utilisez bénéficie d'une API? Et si ce n'est pas le cas, comment la connecter? Et après, la deuxième question qui arrive, c'est quel est le type d'information que vous avez besoin d'échanger? Et est-ce que vous voulez que ces informations transitent dans les deux sens ou dans un seul sens? Voilà. Et c'est des sujets qui, globalement, sont aujourd'hui assez simples, entre guillemets, parce qu'en fait, la technologie est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des API, un connecteur, ce n'est pas très compliqué à développer. Et donc, c'est vrai qu'il faut regarder déjà ce qui existe sur étagère. Et puis, si ça n'existe pas, effectivement, des connexions se font facilement. Une autre question, du coup, de Fleur. Autre idée reçue de la part des dirigeants, j'ai peur d'investir dans une solution avec plein de fonctionnalités, avec un coût élevé, mais de ne me servir que de 30% de la solution pour des raisons de compétences internes ou de ressources. Eh bien, écoutez, en fait, c'est une bonne question. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas mis, mais elle revient souvent. C'est vrai. Il y a plusieurs enjeux là-dessus. Il y a pour moi la formation des équipes, j'y reviens, c'est un point essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, il faut continuer à faire monter en compétence les équipes et il faut du coup aussi avoir des formations au long cours, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement, parce qu'en fait, on parle de transformation digitale, on parle de nouvelles pratiques commerciales et en fait, il y a des nouveaux commerciaux qui arrivent, donc c'est important pour moi régulièrement de les animer autour de l'outil et de les faire monter en compétence. Et en fait, vous avez dans HubSpot, Thomas, tu compléteras si tu veux. Vous avez effectivement des formules qui permettent quelque part d'avoir la bonne formule qui répond à vos besoins. Et aujourd'hui, globalement, quand on prend le CRM HubSpot, puisque là, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, les fonctionnalités qui sont présentes sont globalement utilisées. Et aujourd'hui, le pipeline de vente qui est au cœur du système, les séquences commerciales, le suivi des emails, les tableaux de bord… Ça, c'est un peu les fondamentaux d'un CRM. Donc après, il peut y avoir effectivement ici ou là quelques petites fonctionnalités qu'on utilise un peu moins. Mais pour autant, j'ai envie de dire que 80% à 90% des fonctionnalités sont aujourd'hui utilisées. Après, ce que je compléterais, Michel, merci. Finalement, est-ce que vous avez l'utilité d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités? Je ne pense pas. Et ça doit répondre surtout ce que je disais au tout début, aux avantages du CRM. Quelles sont les problématiques que vous constatez aujourd'hui au sein de votre entreprise pour lesquelles il est important de trouver une solution? Et finalement, c'est à ça que doit répondre un CRM. Et vous verrez que les 100% de toute façon ne seront pas à atteindre. Et puis aussi, Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est-à-dire que le projet CRM, il va évoluer en fonction de votre maturité, votre montée en compétences. Il va évoluer aussi en fonction de votre business. Les priorités en 2022 ne sont peut-être pas celles en 2023. Donc, finalement, c'est un CRM, c'est quelque chose qui bouge et qui n'est pas figé. Donc voilà. Alors, deux cas clients qu'on voulait vous présenter avec Thomas. Si tu veux bien, Thomas, je vais prendre le premier, puis tu prendras… C'est l'industrie d'abord, donc c'est toi. Ouais, c'est moi. Du coup, on voulait évidemment mettre un peu justement en pratique des cas d'usage qui, je trouve, est assez parlant. Donc là, on a pris un client dans l'industrie qui est en fait une entreprise dans le transport, une entreprise européenne, et qui a contacté HubSpot, donc moi, pour la mise en place d'un projet CRM. Alors, on peut se poser la question de pourquoi s'intéresser à un CRM, c'est un peu le sujet aujourd'hui. Il y avait multiples facteurs, je les ai réunis dans deux thématiques. La première, ce sont plutôt des facteurs externes que vous avez a priori tous connus, dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Effectivement, il y a eu le contexte Covid qui a amené en fait à repenser un peu l'approche commerciale, donc à avoir des méthodes de vente un peu hybrides à distance, puisque les rendez-vous n'étaient plus possibles. Il y avait aussi un besoin en fait de structurer en fait l'approche commerciale dans un environnement concurrentiel,
Donc ça, c'est plutôt de dire bah, comment je génère des leads, plus de leads et comment je les traite. Et puis, il y avait des facteurs donc, internes qui étaient bah, justement le CRM qu'ils utilisaient avait atteint ses limites. C'était un CRM qui avait été développé directement par l'entreprise. Il n'y avait pas forcément d'outils mis en place pour ben justement appuyer une stratégie digitale, marketing. Et puis, il y avait aussi ce besoin, et on en venait hein, dans l'avantage du CRM, hein, on en a parlé, de pouvoir avoir une visibilité sur tout le cycle en fait, de vente concernant un client. Donc ça, c'était qu'est-ce que l'entreprise avait rencontré comme difficulté et bah, c'était ce à quoi devait quand même répondre le CRM. Alors les résultats, ça c'est aussi important. Bah, qu'est-ce qu'on a constaté après le déploiement finalement d'HubSpot au sein de cette entreprise? C'était l'harmonisation des process commerciaux, on en parlait, hein, pouvoir avoir des pipelines différents et communs en même temps des équipes, la possibilité aussi bah, de pouvoir documenter les différentes étapes de vente, etc. etc. C'était de dire, bah, on a réfléchi à comment on veut imaginer bah, le cycle de vente de demain et on a pu le mettre ça en place auprès des équipes. Il y avait aussi la visibilité des actions cross-filiales. Évidemment, cette entreprise fait des acquisitions externes et donc, bah, ils ont une filiale A, une filiale B, une filiale C. L'idée, c'était de pouvoir avoir une visibilité sur, par exemple, le chiffre d'affaires généré sur l'ensemble des filiales. Et bien, quand vous utilisez un CRM, vous allez pouvoir créer, on va dire, des actions spécifiques aux filiales et puis de remonter ces informations-là au travers d'un tableau de bord qui va synthétiser l'ensemble des infos. Donc ça, on a pu le faire. Généralement, alors, on parle là d'une entreprise quand même à taille critique. Ça répond un peu à la question de... comment on se lance, est-ce qu'on met toute l'équipe commerciale sur ce projet, bah, le choix a été fait de se limiter, on va dire, à un peu des utilisateurs tests pour évaluer la satisfaction, le taux d'adoption, l'usage, etc. Et une fois que cette période d'utilisateur test est terminée, il va y avoir un déploiement qui est fait sur l'ensemble des utilisateurs. Donc, c'est vraiment d'imaginer la chose en plusieurs étapes, ce qui permet de rassurer et puis peut-être de corriger certains éléments avant le déploiement global. Et c'est ce qui s'est passé ici, puisque au bout d'un an, ils ont déployé HubSpot sur d'autres pays ou d'autres segments. Et puis à la fin, on revient à la thématique hein, de base du webinar. Ça leur a permis de développer une approche de conquête, parce que c'était un peu le nerf de la guerre. Comment j'ai une approche commerciale pour aller, on va dire, gagner des nouveaux clients, tout simplement. Et ils ont intégré d'autres outils, ils ont enrichi la base et ils ont bah, retravaillé cette approche-là qui a permis finalement de gagner plus de nouveaux clients que ce qui avait été fait dans le passé. Donc voilà, c'est un peu aujourd'hui les résultats qu'a obtenu cette entreprise et ce projet, il est loin d'être terminé. Donc je pense que la liste sera un peu plus longue d'ici quelques mois. Merci Thomas, en tous les cas, pour ce cas client concret. Deuxième cas client qui est sur notre site internet. Hein, on a fait une vidéo de ce cas client, donc on vous en parle un peu. C'est Teranga Software. Du coup, c'est un éditeur de logiciels français sur un marché spécifique des EHPAD. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est chez un client qui, du coup, a généré des leads, donc a travaillé vraiment sa notoriété, sa marque, sa lead gen, son acquisition client. Et à un moment donné, ben, voilà, le volume a monté et il faut bien quelque part réunir le marketing et le commerce, c'est un peu ce qu'on se disait. Si on veut vraiment avoir une transformation des leads qualifiés par les équipes commerciales, ben, faut mesurer les actions marketing, avoir un réceptacle commun de ces actions du coup, dans le CRM pour pouvoir ben, sortir des statistiques, améliorer, regarder effectivement le taux de transformation, le panier moyen client, etc. Et donc, effectivement, Teranga Software, dans les bénéfices, a fortement augmenté son audience sur son site et a développé son CA. Mais il a pu concrétiser par le CRM le fait d'avoir 270 nouveaux clients signés par un suivi très pointu. Donc, on voit bien qu'en fait, au cœur de ces sujets-là, on est dans l'alignement, on est dans la qualité de la data, on est dans le suivi commercial, on vient moderniser quelque part le processus commercial. Alors, voilà, c'est la fin de notre webinaire qui va se terminer par quelques questions peut-être. Et vous aurez donc accès au replay.
Et j'ai une petite surprise à vous présenter à la fin. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour finir qui restent en suspens auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, quelles sont les tactiques commerciales novatrices à exploiter en 2023? Là, on repart pour un webinaire. Et bien, écoutez, il y a beaucoup de tactiques 2023. Je vais faire une réponse de Normand. C'est que déjà, il faut travailler les fondamentaux. Hein, c'est ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un playbook qui est bien rempli, un pipeline, un vrai management autour du pipeline, peut-être un contrat entre l'équipe marketing et commerce sur des objectifs communs, c'est déjà, j'ai envie de dire, des fondamentaux qui sont importants. Et après, dans les nouvelles tactiques commerciales, bah, vous avez forcément des outils qui permettent aujourd'hui d'écouter les conversations des commerciaux. Il y a d'ailleurs une option dans HubSpot qui est en développement, qui permet du coup d'avoir par rapport à l'entretien de vente, des tips qui ressortent sur des arguments utilisés, etc. Il y a des outils comme Mojo hein, qui le font aussi. Donc ça, c'est vraiment des grosses tendances. Dans les grosses tendances aussi, vous avez aussi le Sales Navigator qui du coup aujourd'hui permet aussi d'aller travailler sur des listes, permet effectivement de faire du social selling dirigeant ou du social selling des équipes commerciales et permet aujourd'hui de redescendre aussi ces contacts dans HubSpot et de suivre la transaction ou la montée en puissance de ce prospect show. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'outils aujourd'hui. Et donc, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, Thomas, c'est qu'en fait, le CRM HubSpot aujourd'hui, avec toutes ces API et toute la marketplace qui est autour, permet d'aller se connecter à des outils de call tracking, à des outils de gestion de projet, tels qu'Asana, à des outils du coup aujourd'hui qui permettent effectivement d'aller plus loin dans des fonctionnalités. Donc, c'est un outil qui est au cœur de la transformation digitale et qui est au cœur des actions novatrices qu'on peut faire, comme l'ABM aujourd'hui. Il y a des options de l'ABM dans la brique marketing qui permettent de travailler des comptes vraiment prioritaires et de les retraiter dans le pipeline. Donc, on voit bien qu'en fait, on est au cœur du sujet et c'est le CRM qui permet de piloter toutes ces actions, quelles qu'elles soient. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est la fin de notre webinaire. Un grand merci à vous tous avec Thomas. Et puis, je vous donne quand même la petite surprise qu'on vous fait. C'est que sur l'implémentation du CRM HubSpot, il existe en fait une prestation globale qui va du coup du paramétrage aux ateliers de traitement de lead et puis du coup à l'accompagnement des équipes, dont une formation. Eh bien, c'est qu'on vous fait 1 500 € de réduction d'ici le 31 mars sur notre pack d'accompagnement. Et une partie en plus de ce pack est pris en charge aussi dans le cadre d'une formation Calliope. Donc, c'est quasiment 3 000 € de bons de réduction que vous pouvez avoir sur la mise en place sur un coût moyen de 7 500 €. Voyez, on va enlever 3 000 €. Donc, vous allez avoir globalement une implémentation CRM pour 3 500 €. Donc, quelque part, c'est une super offre qu'on vous fait. Moi, je vous invite en tous les cas à revenir vers nous pour une démo, pour discuter de cette offre. On est à votre disposition pour avancer. Et puis, un grand merci à vous tous pour votre présence. Et vous étiez plus de 200. Voilà, donc un grand merci. Et on est là pour vos questions. On vous dit à très vite.